Bienvenue sur Thé Éternel, toujours en ce samedi 17 février de l'an 2000 de grâce, de M18, de Men in Black 18. Bon, attends, faut voir si ça filme, parce qu'on n'y voit rien. En direct de Dark Crystal, Dark Vador et je sais pas, là, Matrix 18 et Total Recall, comme ça. Sur la mouche 3 de Retour du Futur de l'Armée des 12 Singes, comme ça. C'est un concentré, parce que je concentre, moi. Comme je ne sais jamais si ça va filmer longtemps. Tout ça pour dire que c'était les mercredis multiples de 7, et que le 14, c'est là qu'ils ont fini par trouver l'affaire Maëlys. Mais la petite Estelle, ils diront jamais si c'est un homme politique ou un truc comme ça. Maçonnique sa mère, là. Nouvel ordre mondial de mes couilles. Le paradoxe du protocole du contraire de l'inverse de l'oxymore. Non, faut pas dire comme ça. Ou l'inverse. Le contraire de l'inverse du paradoxe de l'oxymore suprême en protocole. Parce qu'on en est en plein. Les protocoles, les processus, alors les procédures. Tu vois ? C'est que du pipeau, tout ça. C'est des énergies. C'est pour ça que j'étais bipolaire triphasé en continu. Moi, j'avais lu plus. C'est l'eau de la croix. Pour expliquer l'abscisse et l'ordonnée, Astérix, Obélix, je sais pas, l'alpha et l'oméga, qu'il y a dans ton bout de viande, quoi. T'as des gens, alors finalement, ils ont l'air super, ils ont l'air gentils. C'est des putains de criminels, c'est des putains d'ordures en fait dans leur tête. Ils sont pris du mensonge. Je crois, d'un mensonge, toujours un autre plus gros mensonge. Ça, c'est pour les enfants. C'est pas beau de mentir, fiston. Elle me disait ça, moi. Tu vois. Bon. Bienvenue dans cette cabine de pilote âge. Deuxième rapport de combustion, il n'y a rien. C'est pas grave. Je vais aller faire mon film quand même, je vais aller le mettre. J'ai une petite prise de tête vaguement avec Eric, parce qu'il est sous cacheton. Il dit toi et ton Roger. Mais toi et tes cachetons, non? Tu vois pas que t'es devenu une sous-merde, comme Jacques. Ah, on les a bien corrigés ceux-là. J'ai une idée. Droguons le peuple. C'est le premier mec en noir. Deuxième mec en noir. J'ai une idée. Faisons en sorte qu'ils nous payent pour ces drogues. Ça, c'est le deuxième mec en noir. Troisième mec. J'ai une autre idée. Appelons ça le médicament. C'est exactement ça. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes ignorant, bête, aveugle et méchant. Enfin, de la connerie de l'humanité, putain. Vous vous rendez même pas compte. Tout ce cas, ce putain de télé de merde. Mais à la The Wall, la télé par la fenêtre. Retrouver l'esprit des peuples, l'esprit de famille et l'esprit individuel. Ayez un peu de dignité, révoltez-vous, indignez-vous. La Stéphane Hessel. Les puissances du mal, Jean Edernalier. C'était exactement ça, c'était super. On m'a fait le camion à Coluche et en plus. Même pas mal. On te dit ceci, cela, l'alcool, la drogue, ceci, cela. Mais allez tous faire enculer, vous avez rien compris. Et déjà, ceux qui en parlent qui connaissent pas, c'est même pas la peine qu'ils en parlent, vu qu'ils connaissent pas. Tu vois. Il y en a marre, là. Je veux mon mai 68, 50 ans plus tard. Je suis né pour ça. Je suis conçu pour la justice, la vérité et la bonté sur Terre. Tous les gens, moi, ils me disent de là-haut. Hein. Don't give up. Tu vois le truc? Don't give up. Le seul truc qui m'énerve, c'est que ça part en reggae après. Mais bon. Sinon, la chanson, elle est super belle. Peter Gabriel, c'est comme Steve Gadd. C'est un batteur de studio, quand même. Hein. Ça joue. «
Bon, tout ça pour dire que je vais l'envoyer comme ça, que si vous avez rien compris, c'est pas grave, j'ai l'habitude, ça va faire 49 ans que vous prenez pas ce que je vous dis. Parce que je sais pas, vous êtes des protocoles, il n'y a pas d'âme dans votre programme. Vous croyez tous que c'est vous qui pensez, mais c'est pas vous. Vous avez la carte, mais pas l'entité. Moi, j'ai pas la carte, mais j'ai l'entité. Je sais d'où que je viens ou que je vais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Qui c'est qui est pas content? Bon, il y avait Luc qui était pas content, mon ancien patron. Dommage que je l'adore. C'est vraiment un capitaliste de merde. Et je suis désolé pour la carte grise, putain, je suis désolé. Tu vois pas que moi, je suis à 10 centimes d'euros là, que je ramasse des mégots par terre pendant que toi. Oui, t'as travaillé, mais t'as eu l'héritage, oui, mais naninaner, tu sais, je sais pas, tu comprends pas ce que je te dis non plus, toi. Oh! On n'a pas tous eu à hériter de pognon pour acheter un feu vert et pour. Le seul qui a le feu vert de terre, c'est moi. Et je l'ai toujours. Et dans toutes les bonnes galaxies. Voilà. Après, tes 3 ans d'âge mental, avant, c'est bon, t'as ta belle télé, t'as ton beau truc. Excuse-moi pour la carte grise, ça va, ouais. Merde. Hein. Oh. En plus, c'est Darnaud. C'est sûr que ça donne plus envie de donner quelque chose à quelqu'un. Tu fais un don. Tu te retrouves dans la merde par les procédures de fils de pute, d'État corrompu, de justice de merde. Tu comprends ça? Moi, je suis gentil. Je suis pas qu'on m'emmerde avec des papiers, là, les administratifs, là. Le mec, il colle 4 timbres, s'il en colle 5, il se met en arrêt pour tendinite. Ça va, ouais?